Salut à tous, bon nouvelle vidéo, ouais je suis un petit peu pris là, c'est mon petit cadeau de début d'année là, rien de bien grave, bon j'espère que la santé va bien pour vous, enfin quoi qu'il en soit, il fait beau, ça fait déjà quelques jours que ça ne pleut pas, les champs commencent enfin à se vider un petit peu de tout ce surplus d'eau, et moi je vais peut-être réussir enfin à passer dans mes intercultures, j'avais semé deux types d'intercultures avec la société Lidea, et ce matin, je vais enfin les détruire. Alors elles ont pris malheureusement un petit peu d'avance. Donc je pense qu'entre autres, les moutardes sont un peu ligneuses. Mais là, je peux enfin passer. Donc je vais aller chercher ma grosse masse. J'ai un de mes potes à qui j'avais prêté justement ce rouleau faca qui va arriver tout à l'heure. On ira faire un petit profil cultural pour voir un petit peu ce que ça donne. J'ai peut-être des idées pour semer mon orge de printemps. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc quoi qu'il en soit, on va faire chauffer le gros massé. Bah oui, tout le matériel est nettoyé propre. Ça va pas rester longtemps, je vais le mettre devant là, je vais mettre le rouleau faca devant le 8470 et puis on va attaquer. Bon les amis, pensez liker, partager, vous abonner. Et puis petite nouveauté, je vous l'avais montré la dernière fois dans ma vidéo lorsqu'on a été à l'hôpital donner des cadeaux. Le massé est équipé de housse de siège et donc c'est en fait le groupe Zafar. Et je sais qu'ils étaient équipés de tapis de sol, donc j'ai fait mettre des tapis de sol dans tous les tracteurs. Alors là, le massé, lui, il a son tapis de sol en tissu, alors qu'il est aussi nettoyable au nettoyeur haute pression. Dans les autres tracteurs qui sont plus soumis à la boue, on va dire, ou peut-être plus soumis à Sébastien, on a mis du caoutchouc. Au moins, on passe un coup de jet, ça sèche surtout plus vite, c'est plus rapide. Et je crois qu'il doit être ouvert celui-là. Vous voyez, avec le petit logo massé. Donc là, vous enlevez le tapis. Caoutchouc, bon, il est un petit peu sale, il a servi, c'est normal. Parce qu'avant, j'avais de la... C'est pas de la moquette, mais j'avais du lino qu'on avait coupé, c'est dégueulasse. Et au moins, ça, c'est top, c'est propre. D'ailleurs, je vais peut-être... Bon, le classe aussi est équipé d'un tapis de sol caoutchouc. Je vais en profiter là pour vous mettre des petites vidéos, justement, lorsqu'ils ont été faits. Allez, je vous laisse regarder ça. A tout à l'heure. Bon, c'est intéressant, hein. Vous avez vu, ça débite un peu. Hein. En fait, chaque tracteur a évidemment à sa forme en fait, hein, au niveau des tapis de sol. Donc, ils ont des machines à laser, mais ils ont encore des gens qui font de la couture. Hein. C'est une société, c'est du Made in France, hein. C'est une société qui se trouve dans l'Ille-et-Vilaine. Et je dis pas qu'un jour, j'irai faire un petit tour chez eux. Ça peut être intéressant pour voir la conception, justement, puis les idées qu'ils peuvent avoir. Ah, c'est mon tracteur qui gonfle. Enfin bon, moi je suis content parce que j'ai une belle housse, tout est propre. J'ai mon tapis de sol, c'est nickel. Donc on peut travailler dans la poussière et avoir quelque chose de propre. Bon, là ce que je vais faire, c'est que je vais atteler la petite 5-or parce qu'on l'a nettoyée ici. Et je voudrais la ramener sur l'autre ferme parce qu'on n'a plus trop de place sous le hangar. Chercher ma grosse masse. Et ensuite j'ai Nico qui vient, mon pote, là justement, me ramener le rouleau faca. Et tous les deux, on ira faire un petit profil pour voir ce que ça donne. Et je vous expliquerai un petit peu justement les deux types de semences qu'ils ont pu apporter, entre autres au niveau du système racinaire, mais aussi au niveau de l'azote, du phosphore, du soufre. Il y a une méthode qui s'appelle la méthode Mercy qui permet de calculer
par rapport à la biomasse. La biomasse, c'est en fait, on va couper des plantes et on va regarder le volume que ça a donné. Justement, ça va nous permettre de calculer l'apport en azote, l'apport en phosphore, en potasse. C'est très impressionnant, c'est la potasse. Donc, on verra ça tout à l'heure. Allez, on va faire un petit tour de tracteur. Allez, on va sur l'autre ferme. J'irai plus tard. J'ai mon pote qui arrive avec le faca. Ouais, Nico! On a bossé avec Nico ensemble là, les premiers temps. On parle d'entraide agricole. Et puis là, en fait, Nico s'est servi du rouleau faca. Parce que toi, tu sèmes en direct maintenant. Oui. Sur couvert. Depuis 2 ans, ouais. Ouais. Tu vois une différence? Pas découvert permanent ni partout, mais pour les intercultures longues, ouais, depuis 2 ans, c'est systématique. Ouais. Tu vois là, Nico, on est sur un lead cover soft de chez l'IDEA. Donc tu vois, radis, facélie et moutarde. Il y a une belle couverture quand même. Hein. Ah, c'est pas mal. Hein. Ça devrait peut-être être pas mal au niveau du... Alors j'ai beaucoup de paille, tu vois, j'ai eu beaucoup de paille. Alors on voit bien les radis là. T'as vu, le racinaire, il descend quand même pas mal, hein. Alors que il n'y a rien eu de fait là. Hein. Ouais. Ah, t'aimes pas ça le radis, toi? Non. C'est pour les lapins. Et tu vois, malgré la paille et tout, ça a plutôt pas mal levé. Dans l'autre parcelle, on a 5 variétés différentes. On a une facélie, 2 trèfles, 2 moutardes. Et bon, qu'est-ce que t'en penses, Nico? On dirait du jardin, hein? Ouais. Faut pas s'agacer avec les outils. Bah, je pense que derrière le rouleau faca, ça peut être pas mal. On se met un petit profil. Allez. Regardez si ça vaut le coup de travailler ou pas. Est-ce que tu sens quelque chose? Tu sens une... Non. Tu sens une force ou un truc comme ça? Aucune. Rien du tout? Non, puis tout à l'heure, j'ai vu... Oh, il y a du ver de terre, tu vois. Ça se fait tout seul. Regarde ça, système racinaire là, de surface. Bon, tu sens que c'est un peu humide quand même. Hein. Ouais, mais bon, après les quantités d'eau qu'on a eues, c'est encore pour. En fait, ce que je voudrais tenter, donc là, je vais passer le rouleau faca sur les 2 parcelles d'interculture. On va laisser pourrir, parce que le rouleau faca, c'est pas un broyeur. Il est là pour pincer la plante. Alors, ce qui m'ennuie un peu, c'est que la moutarde, qui normalement est au départ est bourrée de cellulose, hein, elle devient ligneuse avec le temps. Et j'ai peur que ça nous fasse chier quand on va semer. Parce que Nico, il a un semoir à dents. Alors, tu vas me dire, si elle est encore tenue au sol? Oui, c'est l'objectif, c'est que si ça tenue dans le sol, logiquement, le semoir ne l'arrache pas. Et comme il y a beaucoup d'espacement entre dents, normalement, ça ne fait pas de bourrage. Bon. Et là, par contre, tu vois, on retrouve une zone. Tu l'avais travaillé comment, le blé, là? Actisol? Ouais, Actisol. Regarde. Là, j'ai une zone hyper noble. J'arrive à soulever avec la main. Ah, tu veux dire qu'entre dents, t'avais plus... Non. Mais là, j'arrive à... On va en faire un autre. Tu vois, j'ai une zone tout de suite là, surface, qui s'arrache. Après, ouais. Une autre plus creuse, une dizaine, voire 15 cm, une bonne dizaine, voire 15, peut-être 10. Et après, une zone un peu plus raide. Ah, tu veux dire que l'entre-dent, quoi? L'entre-dent ou... Ou simplement ton...
justement pour le passage d'ActiSol. Alors, tu sais, ça, on a semé ça avec le semoir Amazon, c'est le Primera. Donc, juste ouais. Le coup dedans. Tu vois, on le retrouve, là. Regarde. Ici, là. Alors, ouais. L'ActiSol, il travaille à une quinzaine de centimètres ouais. Hein, avec les ailettes. Hein. C'est ben, on l'a, là. Pas les ailettes, le sabot avec les toutes petites ailettes. Hein. On l'a. Et après, c'est un peu plus dur. Mais c'est dur, mais c'est pas... Ouais, c'est pas ça qui va empêcher, là. Tu veux mon petit couteau ? Tiens, Nico, je sais que t'aimes bien te les mains dans la terre. Tiens. C'est... Il n'y a rien à faire, là. Mais... on a cette zone là qui est meuble, on le sent vraiment ouais. Et après c'est pas dur mais c'est un peu plus compact, c'est plus quand repris même. Ouais. Ouais. Nico, je vais te donner les résultats. On avait fait une petite on a fait du prélèvement il y a deux semaines. C'était un peu tard, commencé à pourrir. On est sur 4 tonnes, enfin 4 de matière sèche aérienne. Alors ça, c'est avec la méthode Merci, tu trouves ça sur internet, c'est ultra simple. Azote piégé 120 unités, restitué au sol grâce au couvert, 30 unités, 25 de phosphore, 35 de soufre et 195 de potasse. Ouais. C'est énorme. Ouais, les économies d'engrais sont là. T'imagines ? Donc carbone stable 0,6 et évolution de matière organique 1,1 tonne à l'hectare. Franchement, tu vois, quand on dit, parce que des fois dans les messages, dans les commentaires, j'ai ouais, tu t'emmerdes à rien, tu mettrais un petit peu de colza, ça te ferait ton couvert. Non mais si on fait du couvert juste pour le côté juridique en disant on a fait un couvert, est-ce qu'on n'a pas compris l'histoire du couvert? Non non, bah puis le but c'est effectivement de se mettre en règle par rapport à nos obligations, mais l'enrichissement du sol on le mesure pas forcément toujours très bien. Et dans nos petites terres, encore pire ouais. Chez moi que là. Je vais pleurer. Ça améliore sacrément la structure. Non mais t'as la structure, on va mettre moins d'azote. Bah oui. Tu vois la potasse. Moi je mets toujours des complets la première fois, tu sais bien. Bah là. À limite tu pourrais t'en passer. Après. Bon, c'est jamais bien bon de se passer de ça. Tu sais. Non, non, sans forcément s'en passer, mais en mettre un petit peu moins. Et le fait d'en mettre en minéral, c'est souvent plus assimilable rapidement que ce qui est en stock dans le sûr. Sol. Ah bah, bien sûr. Du coup, ça réveille un peu le tout, quoi. Non, non, je suis d'accord. Bon, on va aller atteler ce. Ou le foie voir ce que ça donne là-dedans. Tu me diras si ça change par rapport à toi. Allez. Alors regarde, il est content avec ses radis, Nicole. Je vais faire de la soupe. Bon, ça y est, tout est attelé. La masse à l'arrière pour faire contrepoids. Voilà. Vous allez comprendre parce que le rouleau FACA, en 6 mètres, il fait 2 tonnes d'eau. Donc au départ, je voulais le mettre de l'autre côté, donc à l'inverse, à l'arrière du tracteur. Il y a juste à tourner en fait les billes. Mais je vais le garder comme ça. Bon, on va tester ça. Je vais régler mon hydraulique parce qu'il ferme assez fort pour le coup. Tac. Ok, je vais le mettre en flottant tout à l'heure. Donc ça c'est parfait, flottant. Allez, c'est parti. Peut-être regarder s'il est droit, Nico, qu'est-ce que t'en penses? Je le mets au sol. Comment il est là? Pas trop mal? D'aplomb, on va le voir parce que ça soulève la terre avec l'élément du ouais, milieu. Exactement. Et en fait, le rouleau FACA, faut surtout pas qu'il lève de la terre parce qu'il va faire germer. Oui. Bon, bah, on va essayer ça. We'll be right back.
ça hache quand même pas mal. Hein. Bon, le sol est encore un peu frais. Ce qui est bien, c'est que le rouleau FACA fait pas de la terre fine. La lame, elle s'appuie juste pour pincer et couper. Et ça fait plutôt son boulot. C'est un peu frais en bas. Je me demande si j'essaierai pas de passer un deuxième coup un peu plus tard. De toute façon, j'y passerai un coup de glypho. Mais même les radis, hein. On voit la différence de passage. Hein. Elle est terminée. Au long de l'étang, c'est quand même. Ça n'a pas été longtemps propre le massif. Donc, ouais, vous voyez, j'en ai mis une partie tout le long en jachère. Vous comprenez pourquoi. Tout le long de l'étang, là, j'ai fait exprès de ne pas la cultiver. Bon, c'est plutôt pas mal. Ce qui est vraiment dommage, c'est que je n'ai pas pu passer avant. Comme je vous expliquais tout à l'heure, en fait, surtout pour la moutarde, on est sur un système qui, au début, comme je l'expliquais tout à l'heure, se construit sous forme de cellulose. Donc une tige très molle qui s'éclate bien. Et au fur et à mesure du temps, elle se durcit. D'ailleurs, elle devient ligneuse, hein, ce qu'on appelle ligneux. Et c'est quand même un peu plus compliqué à, on va dire, à broyer. Mais bon, j'ai pas pu passer avant parce que c'était trop humide. Mais bon, pour le coup, c'est quand même pas mal. Oui, hop. Il y a que certains radis là. Ah, ça les déstabilise quand même. Hein. Bon, là, on est arrivé dans la grande parcelle des Chassignols. Alors le problème de la 2388, c'est qu'elle éparpille mal au niveau du cul de batteuse. C'est pour ça qu'on voit des endroits où ça n'a pas poussé. Et en plus, il a fait très très chaud ici. Donc l'autre parcelle qui est près de l'étang a bien levé, comme vous avez pu le voir au niveau de la végétation. Là, on est sur une variété. Il y a 5 variétés dans cette semence. 2 de trèfle, 2 de moutarde et de la facélie. On va les voir tout à l'heure. Bon. Ouais, ça brise bien. Voilà, en fait tout ça, tout est abîmé. On a l'impression des fois que ça n'a rien fait. Mais on voit que c'est quand même pas mal abîmé. Hein. Bon, je profite de la fin pour faire un petit tour de mon outil. Vous voyez, quand je vous montre, vous voyez un peu le travail. Alors oui, il y avait un petit mélange, je me souviens, où on avait mis quelques radis quand même. Notre ami Fabien de chez Lidéa avait mélangé les semences sur quelques tours. Mais bon, c'est pas grave, ça fait quelques radis, ça fait pas de mal. Donc je pense que je vais encore avancer d'ailleurs sur les semences, mettre un peu moins de radis. Je vais mettre un peu plus de... Toujours garder la facélie. Le trèfle, c'est une bonne chose. Et puis surtout la moutarde. Mais par contre, pour vraiment que ça fasse du bon boulot et qu'on ait moins de consommation d'azote lorsque la plante va se dégrader après avoir été hachée, faut vraiment le faire pas trop tard. Moi, j'ai jamais pu y aller parce qu'il y a eu de l'eau. Mais pour le coup, le faire le plus tôt possible, c'est bien. Et je pense que même pour mon calcul de taux de matière sèche, je l'ai fait un peu trop tard parce qu'on avait déjà du pourrissement de végétation. Mais bon, bah, on fait comme on peut avec la météo. Donc,
Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, partagez. Ici j'y ferai du tournesol comme je vous ai expliqué tout à l'heure et de l'orge de printemps de l'autre côté. Ça fait longtemps que j'en ai pas mis, donc j'espère que ça va fonctionner. Ce que je vais faire, c'est que dès qu'on pourra y passer, je passerai un petit coup de glypho 2-3 jours avant de semer. Et puis on fera des tests avec Nico que vous avez vu tout à l'heure au niveau du semoir à dents. Et peut-être travailler en fissuration ou pas. Enfin, on verra, on fera différents tests. N'oubliez pas l'Instagram d'Alexandre de Prodil ainsi que la page Facebook. Et moi les amis, je vous dis à très vite. Et évidemment, je vous tiendrai au courant sur toute la suite qu'il peut y avoir jusqu'au semis et même après. Ciao les amis, bye.